Shalom à vous, peuple de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour chacun de vous ce matin. Et je crois que la grâce, la faveur de Dieu est la portion de tout un chacun ce matin. Toi qui es sous le son de ma voix, en cet instant où je parle, tu t'es bien réveillé par la vertu de la grâce du Seigneur. Tu es en pleine forme ce matin, tu n'es pas comme celui-là qui est couché dans un lit d'hôpital. Tu n'es pas celui-là qui est dans une morgue. Tu n'es pas celui-là qui achète le souffle de vie. Ou tu n'es pas de ceux-là qui ont fait des accidents jusqu'à ce moment précis. Tu n'es pas de ceux-là qui sont sans abri, mais Dieu t'a fait grâce. Je bénis le nom de l'Éternel pour cela ce matin, dans la vie de chacun de nous dans cette maison. Cette maison de la grâce, cette maison de la visitation, cette maison de la bénédiction, cette maison de la délivrance, de la restauration, cette maison de la guérison. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a faite. Et je viens rappeler à quelqu'un que nous sommes au sixième mois de l'année, le mois de juin, le sixième mois, le chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme, qui est le chiffre de l'homme. Dieu a formé l'homme au sixième jour et il lui a donné des promesses. Il a dit, je t'ai formé aujourd'hui pour dominer sur toutes les choses. Je t'ai formé aujourd'hui pour prendre soin et pour protéger mes richesses. Ce matin, je viens déclarer dans la vie de tout un chacun qui reconnaît qu'il a été formé au sixième jour par l'Éternel, qu'il a été formé et il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de richesse, parce que notre Dieu est un Dieu de bénédiction, je viens proclamer la richesse de Dieu dans la vie de quiconque croit en cette vision dans cette maison. Je viens proclamer la richesse de Dieu en ce mois de juin. En ce mois de juin, je viens prophétiser que c'est ton mois. Toi qui m'écoutes, ce mois il sera un mois de faveur. Je dis un mois de faveur. Là où les hommes t'avaient rejeté, en ce mois de juin, Dieu t'accorde la faveur des hommes et sa faveur. Dans quelque domaine que ce soit, Dieu te donne la faveur. Pour toi qui compose un examen en ce mois de juin, Dieu te favorise. Tu avais des choses que tu ne comprenais pas, Dieu te favorise. Toi qui as un emploi et qui ne voyais pas les choses avancer dans tes activités, en ce mois de juin, Dieu te favorise. Dieu te favorise. Je prophétise la faveur de Dieu dans ta vie. Toi qui as un emploi, toi qui recherches un mariage, Dieu t'accorde sa faveur. Je dis bien, Dieu t'accorde sa faveur. Tu rencontres sur ton chemin un homme qui te fera du bien. Je dis, je vois en vision en ce moment précis une dame qui cherche ardemment l'homme de sa destinée. Je dis bien, tu marcheras en ce mois de juin et tu viendras témoigner ici de ce que Dieu t'a exaucé, de ce que Dieu t'a exaucé. Je te vois marcher et rencontrer l'homme de ta destinée. Je vois en vision une femme qui viendra témoigner ici que j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai rencontré l'homme qui est venu me faire du bien. Je prophétise cela maintenant, scellé dans le sang de Jésus. Scellé dans le sang de Jésus. Je dis, toi qui crois en cette vision, toi qui crois en cette vision dans cette maison, je dis, reçois la faveur de Dieu en ce mois de juin. C'est le mois de chacun de nous ici. Toi qui attendais ardemment l'accomplissement de la promesse de Dieu, le milieu de cette année, le voici qui est atteint. Que Dieu te favorise. 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 Tu ne savais pas encore Dieu jusqu'à ce moment. Tu sentais le zèle qui était mort. Tu sentais ta vie spirituelle en retard. Tu sentais que tu es en retard avec Dieu. Tu sentais que tu es beaucoup descendu avec Dieu. Tu es tellement rentrer avec Dieu. Mais Dieu, c'est en ce mois de juin, t'accorde la faveur de rencontrer ceux-là qui t'amèneront à accomplir
ta vie ministérielle. Ta vie ministérielle. Je dis ta vie ministérielle. Dieu te connecte aux hommes qui te feront monter avec Dieu. Qui te feront monter avec Dieu. Et tu feras, je vois quelqu'un qui va faire des exploits avec Dieu. Qui fera des exploits avec Dieu. Qui fera des exploits avec Dieu. Ce mois de juin te connecte aux hommes qui te feront voyager pour Dieu. Qui te feront voyager pour travailler pour l'Éternel. Je prophétise la grâce ministérielle. Toi qui portes un ministère, je te connecte aux hommes qui te feront du bien, qui te feront connaître Dieu tel qu'il est véritablement. Au nom de Jésus-Christ, je couvre cette vision dans le sang précieux de Jésus-Christ et je déclare que cela est scellé et cela ne sera pas volé par l'ennemi. Au nom de Jésus, je prophétise. En ce mois de juin, c'est le mois de tout un chacun. Venez et témoignez. Avant la fin de ce mois, je veux entendre des témoignages pour la gloire de l'Éternel. Pour témoigner de la puissance de Dieu, pour témoigner de la fidélité, de la bonté de Dieu. Je prophétise que Dieu vous fait du bien en ce mois. 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 Au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, bien-aimé. Adorez l'Éternel en ce mois. Que ce mois soit un mois où tu montes avec Dieu, où tu fais des exploits avec Dieu, où tu cherches à connaître Dieu véritablement, où la crainte de Dieu monte davantage dans ton cœur, où la crainte de Dieu, où l'Esprit de Dieu t'amène à avoir la crainte véritable de l'Éternel, t'amène à monter avec Dieu dans la crainte et dans l'adoration véritable de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce mois et que cette journée soit une journée de témoignage. Que Dieu vous fasse du bien. Que ce jour soit un déclenchement des choses miraculeuses au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous guérisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous délivre, qu'il vous restaure au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu me bénis, parce que tu bénis chacun dans cette maison. Ceux qui sont actifs ou ceux qui ne sont pas actifs, mais qui font partie de cette maison, qui témoignent ou pas, je sais que ta puissance est manifeste dans cette maison. Va, Saint-Esprit, et opère des miracles dans la vie de tout un chacun, et que ceux qui ont la foi, et ceux qui ont la foi en toi et en cette vision, viennent témoigner de la gloire et de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.